Yahoo Bedivancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la deuxième vidéo pile à lire du mois de janvier, donc si la suite t'intéresse, continue. Alors je vais t'expliquer en fait pourquoi il y a deux vidéos alors que normalement il n'y en a qu'une par mois. Tout simplement parce que il faut savoir que là le jour où je filme on est lundi 11 janvier et que j'ai absolument tout lu de ce que j'avais listé, ou presque, mais tu vas vite comprendre. Et donc, je m'étais laissé en plus une semaine vide en me disant il y a des séries qui vont se terminer pendant le mois sûrement qui vont m'intéresser. La seule série qui m'intéresse qui se termine pendant le mois de janvier, c'est juste notre Mariette. Il est en 5 tomes et je vais le lire en février parce que clairement il se termine en fin janvier et que de toute façon c'est très rapide à lire. Donc voilà, honnêtement. Et le jour où je filme, donc on est lundi 11. Aujourd'hui, je les ai remis ici. Je vais lire, il me reste le tome 6 mais je l'ai presque fini ce matin. Il me reste le tome 7 et 8 de Blooming to You. Et il me reste aussi pour ma pile à lire ce que j'avais annoncé. Les 3 tomes, l'intégralité de Danganronpa saison 2. En ce moment j'en lis 2 à 3 mangas par jour, tu vois où est le problème? Là en fait demain, en gros demain ou voire mercredi j'ai fini. Voilà. Donc, je me suis dit, j'ai oublié. Donc, je me suis dit, il va peut-être falloir refaire une pile à lire, surtout qu'il te reste 2 semaines et demie. Alors, j'ai plus ou moins déjà réfléchi, parce que quand je m'en suis rendu compte, vendredi, je crois, ou jeudi dernier, je me suis dit, il va peut-être falloir y réfléchir à ça, parce que là, il te reste quasiment 3 semaines entières, hein, parce que mardi, j'ai fini, en gros, donc 3 semaines entières. Il va peut-être falloir avoir des lectures. Donc j'ai plus ou moins réfléchi. Il va y avoir et des titres que j'ai en retard et de la relecture, ce qui permettrait de sortir aussi un petit peu de ma grosse colonne du coup de relecture certains titres. J'ai réfléchi et en fait j'ai pris aussi très facilement, hein, j'ai pris ce qui était en tout devant vu que c'est entre parenthèses les priorités. Alors, je vais juste décaler un tout petit peu pour que ça sera un peu mieux. Alors je suis désolée, je filme avec juste l'éclairage de la pièce, n'hésite pas à me dire si c'est pas suffisant, si tu préférerais aussi avoir une petite lumière blanche en plus. Voilà, parce que pour l'instant je me suis dit, tant qu'on me dit rien, ma foi ça passe. Si on me dit quelque chose et on me dit oui en fait Ibi ça serait bien peut-être une petite lumière en plus, je mettrai une petite lumière en plus, voilà. Donc j'ai réfléchi et je vais lire. Sachant qu'en plus il me reste beaucoup de budget du mois dernier parce qu'il me reste... il me reste 63 euros je crois, oui c'est ça, il me reste 63 euros du mois de décembre, voilà. Donc j'ai ça, Love Hireti, c'est en 7 tomes et j'ai les 3 premiers. Donc ça c'est ce que je vais lire sur mon mercredi, tu vois, ou même peut-être demain. Je pense que je vais plutôt le commencer demain et Danganronpa en fait je le lirai mercredi, le temps que la suite arrive à la maison. Et je pense que je vais lire du coup aussi, oui, ça se casse la gueule tout le temps, l'intégralité de Fausse Petite Amie, si j'aime bien entendu. Ça ferait une série en 11 tomes et si on cumule mes 63 euros que j'ai du mois de décembre et les 200 que j'utilise par un mois à peu près en manga, il me resterait 170, un truc comme ça, 70 c'est des brouettes, il manque l'unité. Il me resterait 170 euros quand même et je ne dépenserai pas normalement plus que ça, que ces deux séries là, parce qu'on va parler directement derrière avec les relectures. Alors là en fait j'ai compté Love Hireti, ça ferait 2 jours, enfin le 1, 2, 3 sur une journée, 4, 5, 6 sur une note et le 7, bon bah voilà, ça fait un plus. Et Fausse Petite Amie, c'est en 11 tomes. Donc, attends, on va dire 2 jours pour Love Hireti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et le Love Hireti qui me manque. Donc ça me fait 6 jours. Donc ça me fait une semaine. Ouais. Et on va dire que le dimanche, je ne lis pas de manga pour l'instant. J'ai décidé de ne pas lire de manga, tout simplement pour pouvoir lire des vrais livres. T'as bien entendu, des vrais livres. Donc là, ça me ferait une semaine. Donc, plus il y a aujourd'hui,
Et il y a demain, on va dire, avec, enfin, mercredi, avec Danganronpa. Donc ça fait 8 jours, mais comme il n'y a pas le dimanche, ça fait 9 jours. Donc ça fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça compte pas. Lundi, mardi, mercredi de la semaine prochaine. Donc si tu as vu la vidéo de dimanche dernier, je t'ai montré donc cette nouvelle étagère, je t'ai expliqué un peu plus ou moins à quoi elle servait, etc. J'ai réfléchi et donc il me faudrait, je viens de réfléchir aussi entre les deux, et donc j'avais dit que ça me faisait une semaine et demie, mais j'avais pas tout. Et je viens de voir en te déplaçant que j'avais ceci à relire, qui est un yaoi en 2 tomes. Et quand je prends jamais le temps de le relire, ce genre de titre, parce que c'est en 2 tomes, ben je me dis que justement, ça me ferait une journée et ça me fait une relecture. Sachant qu'en plus, je crois que le tome 2, il n'est pas en entier pour la série. Donc voilà, ça me ferait une petite journée tranquille. Parce que je sais que la semaine prochaine, je vais aussi pas mal bouger. Donc je pourrais peut-être pas lire les 3 par jour. Donc plus 2 à mon avis ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça m'en fait une journée de plus. Je sais pas si tu verras, mais en fait, j'ai laissé les cubes pour l'instant. Et j'ai laissé les j'ai mis les figurines Miku dessus parce qu'elles sont trop grandes pour rentrer ici. Et ensuite, donc on va dire qu'on a fait là les 2 semaines. La semaine du 11 et la semaine suivante. Et la semaine du 26, il faut savoir que je vais pas être chez moi. Et donc il faut que je prévoie une série, un seul bloc, tu vois. Quelque chose d'assez simple à lire, mais pas trop long, pas trop court non plus. Et au pire, si j'ai pas assez, je lirai forcément du numérique. J'ai par exemple les premiers tomes de Au Grand Air que j'ai aussi en numérique comme je les ai en format papier. Et donc ça par contre j'y avais déjà réfléchi, je pensais à j'aime les sushis. Et ça me permet d'enlever une série en fait de 8 tomes dans ma palle. Et je me dis que j'aime les sushis, ben voilà, c'est en 8 tomes, c'est assez enfin, en rapidité de lecture, je sais pas, mais 8 tomes, ça devrait aller, sachant que le mardi, je sais pas vraiment ce que ça va me... la journée, parce que c'est pour ceux qui sont au courant, je vais donc faire les portes ouvertes pour l'opération d'estomac, les 4 jours. Donc j'ai le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et je sais que le mardi, par exemple, on n'a rien avant 14h. Donc, je me dis que je vais pouvoir au moins lire mes 2 à 3 bouquins du jour. Et tu vois, ça devrait aller. Donc, voici la pile récapitulative donc, de ce que je vais lire. Donc, on admet qu'aujourd'hui, le jour où je filme, on est lundi 11. Je vais lire donc la fin de Blooming to You. Mardi, je lirai donc les 3 premiers tomes de Love Hereti. Mercredi, je lirai donc Danganronpa. Jeudi, je vais lire donc la suite de Love Hereti. Vendredi, je lirai donc les... non, je pense que je vais mettre lundi, mardi, mercredi. Jeudi, je pense que j'attaquerai un petit peu et du Love Hereti et je vais mélanger avec la fausse petite amie tout simplement pour que recevoir ma commande samedi. Et donc finir Love Hereti lundi, mardi, etc. Ouais voilà, ça devrait faire du coup les 2 semaines en gros avec Stop Bullying Me. Et la semaine du 26, même si je pense que c'est la semaine commence le 25, je lirai J'aime les sushis. Si jamais en fait dans cette pile j'ai pas assez, il me manque un jour ou une connerie dans le genre, je lirai le tome 1 de Chat malgré moi. Parce que c'est un manga, je crois, pour les 10 ans, un truc comme ça. C'est un manga pour les plus jeunes. C'est une romance et j'ai envie de le présenter en tant que Kodomo du mois, tu vois. C'est entre grands guillemets, parce que Kodomo, en fait, c'est surtout pour les mangas pour les plus jeunes de 6, 8 et 10 ans. Des fois, j'inclus aussi des mangas de 10 ans. Donc voilà, et je crois que ça, c'est un manga 10+. Mais au moins, ça me permettrait de te présenter un manga pour les vraiment plus jeunes. En février et au moins j'ai ma lecture et si il faut je lirai les tomes 2 et 3 etc, j'achèterai, mais au mieux je lirai, je ferai une critique juste tome 1 et au pire
Pour une critique tome 1, au mieux, je ferai peut-être une vidéo crash test, etc. avec les deux premiers tomes, ce qui peut être aussi très intéressant. Donc voilà, en ce qui concerne cette fameuse deuxième pile à lire pour le mois de janvier. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, je lis beaucoup. En même temps, j'ai un peu plus de temps, je sais pas pourquoi. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en like, en commente et en partage. N'hésite pas à me dire quel est toi ton rythme de lecture par jour au niveau des mangas. Moi, savoir que je mets quand même 1 heure à 1 heure et demie pour lire un manga, donc forcément ça prend du temps. Voilà. Bye, n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive.